Quand même, on ne parle pas les pays. Nathan longtemps, Haïti te perle des Antilles. Nathan longtemps, le monde te respecte Haïti. Nathan longtemps, nous te convoyer soldats algoumain pour aider et libérer l'autre pays qui était dans l'esclavage. Jodia, nous c'est la peur des Antilles, la poubelle des Antilles. Toute l'autre nation a pris nous. Il a passé dans la bêtise. Parce que nous blasé tête nous. Nous tombons dans tout ça qui mal. Nous sales, mémoires en cette nous. On ne parle pas pays. Pour nous, citoyens et citoyennes, bon ici, dans la diaspora, va prendre conscience dans notre tête ensemble pour nous sauver Haïti. On ne parle pays. Il y a une émission qui a passé sur Radio Télé Guinée, chaîne 18. Radio Mame Pemba, 92.9 FM, tous les dimanches de 7h à 8h, reprise le lundi, 1h, 2h PM. Yon koken chen salutasyon pou tout moun kap suiv nou sou Radio Maman Pemba 92.9 FM Radio Guinée ak sou chen mondial la, chen 18. Bienvenu ankor yon fwa nan seri demisyon nou An Pale Peyi. An Pale Peyi, je di ya, nou gen pou nou resevwa yon gro teknisyen. Yon teknisyen ki pou al pale nou de formasyon profesyonel et teknik qui rôle qui importance li dans développement un pays. Ingénieur Ganet pas là jeudi a, nous saluons fanatique Léo et nous espérons que il est déjà sur le chemin du retour, il était en mission, l'a venir et prochainement l'a avec. Encore une fois bonsoir tout le monde. Yon pose tout côte. N'a tourné tout de suite. Quand même, on parle les pays. Nathan longtemps Haïti te perle des Antilles. Nathan longtemps, le monde te respecte Haïti. Nathan longtemps, nous te convoyer soldats algoumain pour aider et libérer l'autre pays qui était dans l'esclavage. Jodia, nous c'est la peur des Antilles, la poubelle des Antilles. Toute l'autre nation a pris nous. Il a passé dans la bêtise parce que nous blasé tête nous. Nous tombé dans tout ça qui mal. Nous sales mémoires en cette nous. On ne parle pas pays. Pour nous citoyens et citoyennes, bon ici, dans la diaspora. Va prendre conscience dans notre tête ensemble pour nous sauver Haïti. En parle pays, il y a une émission qui a passé sur Radio Télé Guinée, chaîne 18. Radio Mame Pemba, 92.9 FM, tous les dimanches de 7h à 8h, reprise le lundi, 1h, 2h PM. Encore une fois, nous tenons pour nous présenter au En parle pays, sur Radio Guinée et sur Télé Guinée. Nous avons avec nous un gros technicien. Nous allons parler avec lui de formation professionnelle et technique. Nous allons faire le présenter tête lui et ensuite pour entrer dans les détails. Parce que souvent, nous oublions les techniques, nous oublions les techniciens, nous oublions les professionnels. Nous comprenons que un pays capable de marcher seulement avec des politiciens comme Haïti, son pays à dominante politique. Nous ne pouvons pas développer le cognac. Nous allons saluer l'invité. Bonsoir, M. Charles. Bonsoir, ingénieur Kader. C'est un grand plaisir pour moi là sur le plateau ensemble avec vous. Et je profite de saluer tout le monde, quel que soit côté lié, dans le monde qui est capable de suivre ce gros station, ça, Radio Télé Guinée, et qui a présenté une émission qui a un intérêt d'importance capitale pour tout le monde. Bien. Si n'a pas les pays, nous ne pouvons pas tout le temps rester figé seulement dans la théorie. Parce que la théorie, les mariés avec la pratique. Il y a un gros philosophe qui dit l'homme ne pense que parce qu'il a deux mains. Donc, c'est parce qu'il y a une main qui fait nous penser. De toute façon, la pensée doit se réaliser. Et toute pensée doit devenir matière. C'est le devenir de toute pensée. Donc, si pensée n'a pas besoin de matière, à quoi ça sert de penser? Nous avons besoin de penseurs, nous avons besoin de concepteurs, nous avons besoin de réalisateurs, nous avons besoin d'hommes de main. Yon pays sérieux qui a marché, dirigeants prennent le soin pour que yon développe, ça y est, filière formation professionnelle et technique. L'histoire a révélé que yon société qui développé sans que yo pas porté attention très soutenue à formation professionnelle et technique. Assez souvent, yo kon priorisé ça n'ta ka rele
pour nous autres en Haïti, les métiers tertiaires. C'est-à-dire les métiers de troisième niveau. C'est-à-dire les universitaires. Pas vrai? Les scientifiques. Mais oublier que l'homme fin penser, l'homme fin mettre en théorie sous table là, un grand technicien qui va le designer, qui va le dessiner penser maintenant. On pense son bagage, un technicien réaliser le et puis on parle un nèg de même qui va manœuvrer la matière pour le rendre penser maintenant venir un bagage réel. Soit bout dans un certain temps et raffiné par la suite. C'est de ça nous va parler aujourd'hui là. Pays a pas qu'à développer sans les métiers de base, sans une filière bien adaptée suivant réalité pays a dans le domaine formation professionnelle et technique. Monsieur Charles Antonis Michel, qui c'est un mécanicien spécialité le diesel, mais n'a pas rappelé tout que monsieur fait sciences politiques tout. Mais je dis c'est pas vous les sciences politiques d'abord, c'est vous les techniciens parce que nous besoin ça. Monsieur Charles, présentez-vous pour vous clair qu'on est. Parce qu'on a parlé du pays, le pays a dû qu'on est technicien. Bon, excusez-moi la présentation. Moi, si je m'a demandé une permission pour faire une rectification tout petit, parce que je suis écrit sur monitor là, Michel Antonio Charles, même bien content que vous dites Charles Antonius Michel, parce que pendant toute vie, moi, c'est toujours problème ça qu'on a présenté, le fait que nous avons trois noms. Donc, vous inversez yo, et volontairement, omission en fait, c'est pas faute. Et m'a tout profité de dire tout le monde que après émission qui gagne pour retarder les moins parce qu'il y a pas le numéro de téléphone moi qui 33 34 81 92 notez-le pour moi s'il vous plaît qui pour dire il était quoi que c'était Michel Antonius Douillon. Oui, c'est vrai. Moi j'étais relé Michel Antonius Douillon de primaire jusqu'à seconde primaire chez les frères de l'instruction chrétienne des Gonaïves juste en passant par et centre d'études secondaires Pradel Pompilus et arrivé à seconde et directeur de l'école dit que dit ouais que moi gon acte de naissance moi gon un acte de reconnaissance il t'a préféré que pour lui inscrire dans baccalauréat sous acte de reconnaissance. C'est ainsi que sous acte de naissance là il était écrit Michel Antonius Douillon et sous acte de naissance là reconnaissance était écrit Michel Antonius Charles. Donc Michel Antonius Douillon passé tout d'un coup à Michel Antonius Charles. Ça vient fait que me vienne perdu en bonnes amis d'enfance qui leur ouais moi penser que c'est Michel Antonius Charles, il pas vle reler moi pour c'est pas moi même qui moi même. Donc c'est ça fait que à la longue quand un avocat a toujours corrigé ça pour moi parce que des fois tout il connait pas même mettre Antonius, il dit Michel Douillon, des fois il dit Michel Charles et ça vient te un gros problème, l'homme vient parti bal aux États-Unis pour EDH jugement rectificatif. Et puis et que il pas metté Antonius là sous papier qui est sous document master mécanique et training là et large ball là et qui vient faire que gonne qui casse cabre qui prend document ça il cherche pour un avocat il substitue là moi-même et puis dans solidarité dans le mal tout directeur et dans UDH une page une insensible et puis il quitte nos combats avec un inconnu cap traqué depuis plus de 28 ans après que m'était fin faire un superbe travail pour UDH blackout total dans le nord. Pièce pour ne pas vouloir aller parce que y était peu pour la population si vous échouez pas d'échouer. Et puis directeur réuni il dit vous pouvez monter en haut et puis nous fait étude centrale là et puis une concertation avec tout notre technicien et professionnel Jean Abdir nous arrivé joindre une solution que m'était dit directeur que nous pas l'adopter et il était ferme confiance parce que le m'était prêté dans UDA c'est un concours était fait sur 300 et postulants et puis moi était lauréat et puis moi j'étais venu jouir de confiance directeur d'Aloyo et qui te permet que EDH te vienne toujours être EDH pour l'État haïtien parce que si nous t'ai échoué eh bien c'est un particulier que tu pas prendre parti non là ça t'a créé de très 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 gros problèmes puis devant n'est capable parler de ça et peut-être même dans émission sur rôle de l'État et bien de sciences politiques n'a parlé de formation professionnelle et technique ou même qui dans domaine non. Comment vous voyez ça? Parce que, je vais tirer les tout petits avant que je me bats. Tout le monde connaît que Haïti est un pays à dominante politique. Et surtout à dominante politique présidentielle. Politiciens, ils priment sur toute bagaille. Et ils ont tendance, politiquement,
prend par exemple yon plombier, yon mette l'en place yon médecin. Souvent yon prend militantisme comme yon prérequis qui est capable plus valable que diplôme que moun a détenteur. Ce qui est malheureux. Parce que politique là c'est pas ça lié, mais son bagage qui fait de graines gauche la caille nous. Nous espérons à travers l'émission ça et tout que n'a fait dans en parler pays. N'a lancé des germes de sensibilisation pour que les politiciens soient plus nuancés en ce sens. C'est-à-dire, nous avons besoin de techniciens pour nous développer le pays. Haïti, tant que l'on était à dominante politique, nous avons vacillé au bord du chaos. Nous avons vacillé au bord du chaos parce que les politiques qu'on a menées, on est par exemple sous le président pour 5 ans, sous ministre, bon, ça va dépendre de performance ou. Etc. Sous député ou député pour 4 ou 5 ans, ou sénateur, bon, comme on a un projet d'amendement, tout le monde va là pour 5 ans, etc. Donc, ou député ou sénateur, ou même magistrat ou même président, pour un petit temps. Mais le pays continue. Le pays reste et demeure. Donc, c'est un continuum. Pas un campé dans le pays. Ah ouais? Toute affaire, l'État yo, a marché. Et il doit marcher comme il se doit. Donc, pour marcher comme il se doit, responsabilité pour créer conditions. Créer conditions pour que le monde travaille. Imaginons que bon ben l'école qu'a créé là et puis nous pas gagner assez d'ébénistes qui pour faire ban. Pour qui raison obligé à nous gagner ébénistes, nous gagner des charpentes, on a fait des commandes de bureau très fragiles sorti l'autre bord venir. Donc si grand politique bien diam de formation technique professionnelle n'a capable fabriquer bureau nous fabriquer chaises nous n'a capable naturellement fabriquer cabane nous nous pas exclu que nous capable importer par exemple n'a gagne un cob il me dit me son cabane qui sont en Italie mais qui fait en Allemagne que me dire mon modèle là me prendre mais pas de moi yon seul recours pour me t'a dit que ça cap fait la caille moi pas bon non nous doit assurer nous que l'école professionnelle nous a produit des mondes valables, des mondes capables, et nous devons assurer nous que société a bail chaque monde ça yo, chaque métier ça yo place yo et reconnaître yo pour capable évoluer en tant que tel et vivre de métier ça que gagne. Assez souvent technicien nous yo, ouvrier qualifié nous yo, yo pas capable vivre tout à fait de retomber métier yo. Parce que, dans l'ensemble, moun ki ta responsable filière dont yo appartenu, travail la pas bien fait. Travail la pas bien fait, c'est souvent les responsables qui mal fait travail yo, qui fait que yo technicien ici, pas capable vraiment bénéficier, retomber métier que la pratiquer. Monsieur Anthony, ou son technicien, ou pas un théoricien en l'air, comment ou même ou est formation professionnelle, l'école professionnelle, l'école technique dans pays ça en pas les pays. Bon, et d'abord, et m'a font petit peu de doigt tout petit parce que et après philo, pas après philo, pendant que t'as fait philo, m'ta allé inscrire moi dans centre pilote. Et c'est sous motivation de l'autre monde que n'a guetta parlé de ça. Et mouyo section diesel, n'y a pas de vle prendre la donne parce que je n'ai pas fait philo. Et puis, mais vous connaissez ça toujours existé. Et je prends moins sous. C'est-à-dire que. Sous recommandation? Non, pas sous recommandation. En espérant que je passe. Donc, je prêté dans la section diesel. Là. Mais c'est une section qui a gagné 16 mounes, qui a gagné en français, qui était petit en professeur français. Tu as une fille qui est arrivée diplômée et qui est directrice. Et institut, directrice des opérations dans l'Institut national de formation professionnelle. Je suis bien content que pour l'autre fille, tu as un avenir dans le métier. Et puis, tu as deux qui sont abandonnés. Tu as une qui est obligée de laisser nous parce qu'il n'y a pas de KKB au moins un minimum de 13 sur 20. Oui. Et puis, nous sommes censés avoir 3 cas d'effectifs qui arrivent diplômés. Et il y a 5 ou 6 qui sont professeurs.
Et puis, moi j'étais là dedans tout. Et donc, nous, ça, c'est 12 diplômés. Michel Antonius Charles. Bon, l'homme était après dans cette pilote, moi j'étais ouais, où il écrit, dans le gros écritoire, centre pilote de formation professionnelle et technique. Ce qui veut dire qu'il semblerait que j'étais un projet de formation professionnelle en dedans. Mais il se trouve que pour formation professionnelle n'a pas jamais été en dedans cette pilote, mais c'est des noms bâtiments à côté, hein, j'étais les INFP, j'étais formé en série de monde, dans quel que soit branche et même en électronique. Formation était qu'on durait 3 mois, 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans. Tout. Donc, je suis bien saisi que tu as que tu as une directrice INFP qui t'a dit que cette pilote était créée pour te former des ouvriers. Ça t'a fait mal à pile parce que nous autres du centre pilote, là, nous sortis, nous étions parmi des mondes qui ont touché. Nous avons comparé comme nous avons touché parce que je me suis dit que l'homme sorti, le premier job moi, c'était dans Shell, compagnie Shell. Je t'ai offert moins 3 000, je mets 3 000 $ parce que je n'ai pas de gain de billets. Mm-hmm. Nous avons touché 3 000 $. Et je ne sais pas si vous comprenez ça, c'était 3 000. C'est-à-dire que les arrivés dans son billet 50 gouttes, si vous n'avez pas joué, vous mettez un billet. Oui, yeah, les 5 gouttes là, c'est 20 dollars. Voilà. Mm-hmm. Et quand deux fois, je m'a dit que Pinga, vous mettez trop l'argent américain parce que pour que de côté, vous ne pouvez pas aller. Et puis, je m'a comparé. Comme m'a touché avec ancien directeur que m'était gagné dans le lycée tout ça, il t'a touché 300 dollars. Il suffit que 5 ans ou 6 ans plus tard, voilà que m'a touché 10 fois plus. OK? Donc et moi t'a même plus t'a corrigé ça que nous ne sommes pas des ouvriers parce que actuellement là pifon dans nous, c'est meilleur avocat, meilleur ingénieur, meilleur technicien, meilleur comptable, meilleur universitaire. Donc et qui différence qui gagne en formation professionnelle et technique? Formation pas de trop grande différence, sauf que c'est dans le cursus là qu'on modifie. Gagnon nous parle plus stage de conception, plus stage de bureau, plus stage de management et plus stage tout du point de vue et organisationnel. Alors que l'autre lui-même a accompli une tâche tout simplement technique. Ça veut dire conception, programme n'a été fait déjà. Ça ne veut pas dire que vous êtes limité, non? Si vous avez une formation professionnelle et puis vous voulez pour faire plus mathématiques, plus physique, plus informatique, plus vous voulez mettre comptabilité dans la formation pour être capable de gérer votre business, ça ne peut pas arriver que vous, pour une raison, pour une autre, vous voulez pour une formation professionnelle. Mais par un, capable de permettre de gagner tous les moyens logistiques pour ouvrir un atelier. Et puis qu'on y a là pour le gérer, parce que là, ça vient de micro-entreprise, pour le gérer, mon cap travail ensemble avec lui, un minimum de gestion pour le gagner, laisser le capable de pour augmenter et formationner. Et là, ça, sans pas comprendre, après, il était un professionnel, et puis il traversait, sans monde pas remarquer ça, et puis il vient de nos techniciens. C'est le cursus là, qui gagne plus et discipline connexe là-dedans. Et le fait que s'il n'y a pas le même cursus, donc il n'y a pas le même type de tâche qu'on peut assigner et chaque et élément, ça, chaque et ressource. Ça. Bien, nous saisis. C'est-à-dire, il y a le professionnel, il y a le technicien. Souvent, il sert avec le professionnel là pour le technicien, il sert avec le technicien pour le professionnel. Là. Si on a dit qu'il y a 3 niveaux, on a dit qu'on est capable de faire conception. N'est qu'à penser. Ça nous a dit l'ingénieur qui a un esprit inventif, la pensée. Mais fort souvent, nous avons dit pour étudier le capteur de nous, pour le public, nous, le capteur de nous, sur la radio, qui a regardé dans la télévision, que leur accouche en idée, ou grand l'autre monde qui maintenant commence à prendre idole là, les mettre sur le papier. Ils font design, ils font dessin, ils font schéma. Et puis là, pose la question, est-ce que c'est ça qu'on voulait? C'est ce qu'on sent well dans la vision. Donc, ça, c'est ça où les techniciens. Ils ont capable d'un gros chapote, ils ont un gros maçon, un gros professionnel. Mais la technique, ce n'est qu'à faire calcul là, ce n'est qu'à entrer dans nanan. Par exemple, en tant qu'ingénieur civil, on a parlé, un gros maçon capable de faire un paquet d'affaires.
Mais la résistance des matériaux, pour me dire, building ça, un camion bascule qui vient pas que sur les tout chargé, 50 camions bascule qui mouvementé sur lui, faut me calculer toute courbature qui gagne, tout détail qui gagne dans faire, est-ce que sous tel poids, il va courber. Donc, ça relève résistance des matériaux. Ce que peut-être l'excellent boss maçon n'a pas calculé. Par contre, il a fait tout par routine, par expérience. Il a réalisé par expérience. Mais, au niveau de conception, au niveau de calcul, et ensuite, vous venez l'ouvrier qualifié, que est le professionnel, qui pourra le faire, par exemple, coquille là, et qui pourra le rendre pensée là, qui pourra le rendre idée là, matière. Faut nous faire étudier, nous reconnaître que si effectivement on tape une science, pour nous commencer la construction, nous allons faire. Ouais, nous allons faire. Pratique là, rend nous perfect. Théorie, c'est un ensemble de bagages que nous voulons réaliser. Hein? Mais pratique là, c'est le fait que nous avons réalisé le même. T'as coupé Voltaire dit, s'il avait fallu attendre la science, combien de siècles prendrait-on pour déplacer une grosse roche? Exemple, si nous faisons une construction, combien de siècles nous prend? Par exemple, on tape une roche qui t'a mesuré, par exemple, on masse de roche qui peut-être même hauteur à ça ou même large à ça. Si nous voulons déplacer, si nous avons un scientifique pour faire le nom, on tape chiré. Donc, il faut que nous comprenions que pratique là est important, professionnel là important, technicien l'important, et il faut nous arriver à admettre tout que tous les métiers se valent. Pas gen yon qui plus passe l'autre. Parce que, caméraman ça, kap gade m'la, kap pren mwen vivant, sou écran, tout moun kap gade, kap ren que voix m'rive, tout côté sou radio, c'est un professionnel, son technicien. Mais, est-ce que, nous ka di, que si moi m'son avocat, m'son ingénieur, m'son diplomate, on ka fait ça monsieur a faire. Est-ce que ça va faire plus important que ça monsieur a faire? Pas du tout. C'est 50-50. Donc tout bagay yo, yo valable yon par rapport à l'autre. Donc pays a son chaîne que li. Le monde son chaîne, yon entre dans l'autre. Tout métier valable. Pas vrai et monsieur Antonis. Tout métier valable. Au contraire, la fois dernière, moi t'ai parlé ensemble avec deux trois économistes et mélangé avocat informaticien, etc. Et puis, nous t'a expliqué que si nous avons basé sur le nombre de temps où nous fait l'école pour nous avoir un salaire décent, eh bien, pour gagner ça nous t'a brûlé de défavoriser dans la société. Donc, et on est Kishita qui font un doctorat, ou bien qui ont un bon diplôme, et bien qui après. Car on bac plus 8, bac plus 12, bac plus 16, bac plus 20 même, parce que moun qui gagne l'argent qui décide pour étudier. Eh bien, ça t'a fait que moun qui gagne bac plus 10, 15, 20, alors pour moun captade, on moun qui gagne bac plus 12, après philo, il fait 12 ans à étudier toujours. Et puis, il prend des niveaux pour eux, des documents qui certifient que moun sa, qui ballon pour présomption à une certaine compétence. Eh bien, pas d'abgé quoi pour payer d'un qui fait bac plus 20. Et moun qui pas fait un pile temps l'école après qu'il finit étudier, ma qu'on finit fait philo, supposons qu'il pas de fait philo du tout, mais qui gon métier et que métier l'un pas de prendre pile temps pour le faire papier, eh bien, il prend un salaire qui n'est pas satisfait. Il est préférable en fonction, comme tout métier qui est important dans la société, hein, parce que je ne dis pas qu'il fait ça. Mais le médecin a aimé un table comme ça pour l'offrir à madame. Ni. Et pourtant, que le autant de que son monde qui pas même fait philo qui fait, et pour pas le tendance pour venir acheter table en pour un petit prix. Donc, c'est ça qui fait qu'il est préférable que moi-même te proposé pour ta fougon. Uniformisation des salaires du point de vue et besoin qu'on monde et nécessaire pour un monde capable de vivre normalement,
pour le monde dans déplace pour bon on monde pas obligé s'il a déplacer son côté l'arrivée sous Jean Labi avec son équipe pas toucher en pile comme sous Jean présentation et aspect physiognomique où est son monde qui mal manger puis tu as gon salaire uniforme pour tout le monde qui travaille et puis maintenant en fonction de responsabilité ou de niveau de niveau ou bien de expérience ou on toujours capable gon un salaire supplémentaire qui pour accompagner ça qui arrive quoi yo bon 50 000 gouttes pour vivre par mois et puis même en fonction de responsabilité ou bon frais de 200 000 gouttes ça qui arrive mais faut mon apprendre parce que on équipe mon qui pense bagaille la libal au bon tant coup on monde bien doit venir là il fait appareil ça mais l'ovin temps de ces 4e seconde que il fait et puis mais tal non l'école qui a accepté le bon diplôme parce que ma bon exemple bon monsieur qui était dans Saint Jean Bosco ça relie l'école salésienne. Salésienne était une façon de former au monde depuis après 4e seconde après 3 ans au son technicien. Alors professionnel si vous voulez me dire comme ça. Mais j'ai mal regardé cursus que qui ça fait? C'est comme si on doit continuer étudier. Yo forme c'est-à-dire que yo toujours continuer avec formation classique là avec. Et puis yo greffer sur formation classique là. Un ensemble de connaissances techniques que pour n'y a sauver les mondes professionnels parce que le pas de fin fait fil parce que le pas de fait on bac plus 4 mais que le monde vini doit garder le monde sorti l'école ou après si m'a prend le cas de ne qui fait charpente le ingénieur relé il dit besoin voûte pour l'église ça que m'a bâti ne doit faire des calculs trigonométriques pour joindre tout angle pour joindre courbure là. Les après le mettre ça vitrouille dans l'église là qui pourrait permettre que l'église là bon impression que l'église là son on lieu sait ou après nèg là a fait des traçages mais mon Dieu bon minimum de connaissances que les développer les mettre en valeur les mettre les mettre en valeur pour le capable et prouver que le bon connaissances pertinentes. Et si j'aime si bon exemple ça, tu as un monsieur qui a un caï. Faut me dire que en tant qu'ingénieur civil, assurément l'offre bâti caï là, fait une café toute calcule structure pour les dalles tout bas. Ou le plus souvent qu'on a besoin bon charpente qui pour habiller caï là pour mettre porte, chambran, etc. Et puis pour capable mettre pour livrer caï là avec clé en main et puis mon ouvrir le garde. Quand il y a deux meubles qui fait pour tout là dans caï là. Parce que c'est taille, soit dans ces deux coins, etc. Et puis, mon cher, que je ne peux pas citer non, monsieur, il est un monsieur que je ne connais pas. Il était de parler de lui-même. Il voyait un chauffeur pour aller chercher monsieur qui pour aller habiller Kaila pour lui. Et puis, il choisit. Il y a un petit pick-up, il dit ouais, je vais monsieur en bas, là, en bas, quatre fois, et l'aéroport, on va prendre, on va prendre le Thomas, c'est pour moi. Le monsieur arrivé, non seulement le chauffeur n'a pas qu'à joindre monsieur, parce que monsieur n'a pas de vide à pied, c'est là il a relé le téléphone et puis il a regardé l'OSC en Toyota Hilux dernier modèle. Et puis il dit chauffeur, où mettre mon théorie? Et le fin joindre monsieur, le fin fait contact là par téléphone. Il dit parce que mes machines pas là, mes machines pas là. Et puis il est monté ensemble avec lui. Le arrivé Thomasin, propriétaire qui a dit, monsieur, ça que, ah, faut pas plus mal, il y a un métier à marcher. Comment faire? On essaie de bénir souiller. Et vous venez de machine ça. Je dis, non, c'est pas rien. Dès que... son gros parole de discrimination. Oui. Et bien, ce qu'on a, monsieur, fait, le fin habillé qui a pour monsieur, bon dernier travail pour le venir, pour le fin faire, il débarque avec un bateau Moïse, là, qui monsieur. Il n'a pas jamais parlé que, oui, mais comment on travaille sur cela. Mais il fait pour capable faire monsieur sentir que c'est capacité que le gars dans travail là puis faut kay qui dans zone Thomas un peu etc. C'est lui même qui fait yo donc il est comme passé monsieur très bien et formation professionnelle et technique donc je pense que Gabriel qui par contre ça bateau Moïse en forme de Mercedes qui en forme boîte et qui vend 274 000 dollars américains donc ça c'est son qui gagne en main qui gagne en main. Oui. D'accord et bien on connaît maître Donis et une dame gagne émission papa. Donc, ça veut dire que nous ne prenons pas le temps, nous prenons pause et puis nous tournons tout de suite pour entrer dans la profondeur de l'émission. Quand même, on ne parle pas. Nathan longtemps, Haïti te perle des Antilles. Nathan longtemps, le monde te respecte Haïti. Nathan longtemps, nous te convoyons soldats algoumains
pour aider et libérer l'autre pays qui était dans l'esclavage. Jodia, nous c'est la peur des Antilles, la poubelle des Antilles. Toute l'autre nation a pris nous, y a passé dans la bêtise. Parce que nous blasé tête nous, nous tombé dans tout ça qui mal, nous sales, mémoires en cette nous. En pas les pays, pour nous être citoyens et citoyennes, bon ici, dans la diaspora, va prendre conscience dans notre tête ensemble pour nous sauver Haïti. En pas les pays, il y a une émission qui a passé sur Radio Télé Guinée, chaîne 18. Radio Mame Pemba, 92.9 FM, tous les dimanches de 7h à 8h, reprise le lundi, 1h, 2h PM. On va suivre En pas les pays sur Radio Télé Guinée, 92.9 FM et chaîne 18. En pas les pays, il y a une émission qui a parlé vraiment du problème pays. On a parlé de formation professionnelle et technique. Tout à l'heure, ils font avancer. Pour même qu'a parler avec là ou là avant d'être ingénieur avant d'aller dans droit on était électricien bal ba en blague mon chemin rivé quand mon Thomasin le samedi dans JB Damier c'est une occasion pour moi voir un coup de chapeau pour ancien monde ça était dans JB Damier me passer et cette pilote tout nous prend formation dans cette pilote moi formation dans Canada et puis me paraît bien Chelbert. Donc, pas de pas de go. Je levais pas de nan. Mais le mètre carré apparaît. Parce que moi-même, généralement, je ne suis pas timide, non. Même pas, je me dis ça, je ne sais pas. Si vous me dites ça dans la télévision, je me dis ça. C'est moi qui ai remarqué, je ne vais pas parler. Je ne vais pas m'exposer. Effectivement, je suis électricien, je fais électricité domestique et industrielle. Je fais génie civil, je fais droit, je suis journaliste. Je suis policier de formation, hein, parce que je étudie sciences investigation policière. Donc, bon, notre bagage. Vous pouvez tout bagage, vous. Bon, on allez. Maintenant, l'homme finit, mettre calade dedans, et puis il me dit, côté boss là. On dit, mais moi. Mais pourquoi j'aime moi si c'est moi qui boss là? Pour qui ça? Parce que, il y a une conception dans la tête, yo, que boss là doit paraître négligent. Mm-hmm. Et là, ça m'a même jeune petit garçon, hein, pendant. Je fais diplôme en électricité, il m'a continué études en génie civil, il m'a continué études moins. Ça c'est des de années fin des années 80. Oh. Bon? M'a continué études moins en droit, m'a continué études en génie civil. Tout chez le même, confirmé. Oui, c'était époque là. Parce que me conseille de nèg par exemple au grand sidérose, nèg cap toute fierté au directeur JB Damier. L'important pour nous faire jeunesse ça sentir que le fier la petite jour bagaille. M'pa vle moun cap décourager jeunesse ça. Professeur que me dégain yo. Tu gain professeur Aristote tout. Yes, exactement. Donc monsieur t'es encouragé, yo te dou que monsieur en technicien nous sommes monde valable au même titre que tout monde. Donc c'est si vous comprendre nous bien, pour capable bailler respect à métier. Et puis il a cherché bon ça me dit c'est moi le refuser quoi. Mm-hmm. C'est moi le refuser quoi parce que m'étais vraiment fin et puis et maman me dégain dans fond bail pour moi dans petit cob travail puis me dégain dans gros machine. Mm-hmm. Et puis, je me parais sur la machine, et puis, je me dépannais. Je me suis étonné, je cherchais le boss là. Pour lui-même, il avait besoin, ouais, que son nègre, on était déchiré, il y a un bagaille sale sous le lit, etc. Donc, ça, c'est complexe. C'est un complexe que nous demandons aux Haïtiens pour commencer à retirer la caillou. C'est ça que je me dis, avec moi-même, que tout métier, tous les métiers se valent. C'est-à-dire, il faut que les techniciens autour, leur aient sorti. Ils ont besoin de sortir avec leur travail là dans la rue. C'est pour prendre l'habitude de quitter le travail et puis sortir normalement parce que pour pas qu'il y ait stigmatisation. Et puis, société à tout, dans un pas les pays, il faut une deal. Société à fond, les gens sont complexés. Très complexés. Par exemple, nous voyons que Saint-Domingue, nous commençons à décomplexer. Société à tellement complexé, nous avons des amis qui sont médecins qui ont fait réflexion que si le médecin, c'est soit le mari ou un médecin pareil ou une infirmière. D'accord dans un certain sens. Moun ki nan même lien avec. Mais yo pa di le comme ça. Yo di univers... pas complexe. Ou bien faut moun marié avec un universitaire. Ou bien pour le marier avec un universitaire. Même pas ouais ça. Moi des moun en Espagne, en Italie et aux États-Unis au Canada, moi médecin marié en policier. Moi un ingénieur, un scientifique qui marié avec un électricien. Donc son mariage d'amour qui le fait. Gen deux fois si moun en célèbre. Tout barrière ça est tombé. Oui. Donc nous, maintenant on t'arrête que étudiants haïtiens, élèves haïtiens down bagaille ça yo. C'est le conseil de complexe qui dit par exemple si je suis universitaire
Par exemple, moi, dans le génie civil. Mais ça qu'empêche que, pendant le génie civil, là, ce que moi, je me dis qu'on fait avec Bosgui, mal pour un cours de plomberie, qui a duré un an, et me font un job qui me permet de me pousser. Ben, maman et papa, on pousse. Mais pas complexe, on dit, oh non, je suis ingénieur, vous voyez, donc on ne peut pas. Mais non, mais ça n'a aucun sens. Que un ingénieur, que un médecin, que un agronome, que un diplomate, mais tu as la même valeur. C'est société là qui mal formaté. Parce que nous sommes diplomates. Je vais aller saler toilettes là, quand même, je suis capable. Nous sommes ingénieurs. Ou bien nous n'avons pas disposé tout, même si tu es intelligent. Même si tu es intelligent, je ne suis pas capable de disposer pour ça. Vous est-ce que je suis capable de faire toiture? Habitude. OK? Est-ce que c'est pour pas le poser céramique là? Ou bien maintenant en termes d'importance. M'a dit par exemple que m'sa agronome donc m'pa ta doué trop bien avec un nèg qui chapote mais m'pa ka faire kay moi. Si m'a besoin toiture métallique, m'a besoin monde qui connait faire soudure. Et actuellement dans pays là, on nèg fait bon soudure, c'est presque des Jamaïcains, des Bahamais, des Dominicains qui travaillent dans ces entreprises, qui font soudure. Et que font nos jeunes? Ils veulent être ingénieurs, médecins, avocats, diplomates, informaticiens, gestionnaires. C'est bien. Mais il faut que nous fassions connaître que un pays, pour le marché bien, il faut que l'école professionnelle et technique a construit suivant le rythme que la population a monté. Il faut valoriser les métiers. Faut que nous valorisions, faut que nous décomplexions. Moi-même, pendant que j'étais dans le génie civil, j'étais dans la médecine, donc j'ai quitté la médecine parce que papa m'a pas de payer l'école pour moi, m'a pas de acheter toi anatomie à $210 et pour $630, m'a pas médecin. Je dis 9 mois m'a quitté. Pas vrai parce que mon caïman pas petit gens malheureux. Donc maintenant, l'on a comparé à faire l'on a étudié. Il me dit que dans la médecine, je demandé mal dans Jibel Amie. Je ne suis pas capable. Pendant que Jibel Amie, je m'inscris dans le droit. Ok? Très bien. Je m'inscris dans le droit. Donc, je travaille, je m'étudie. La pauvreté, mais pour me parler de complexe, là, moi, contre une petite dame, bon, je vais dire non, parce qu'on est capable d'oublier, ou bien, il est capable d'exister, parce que ça fait longtemps que je parle. Dérémy Ivan, même t'es toujours pipiti dans le classement. Yon vacances, en tant qu'ingénieur, dans la troisième ou quatrième année, moi j'ai un boss René, qui c'est Mario Matat, moi, comme toujours prend plaisir, chaque vacances, à le sortir avec monsieur. A dit que vous avez une pile idée dans l'ébénisterie, c'est à cause de boss René. Et puis, pendant que j'étais avec boîte d'outils, j'ai relé Ivan, pourquoi Ivan ne va pas répondre moi? Pour lui, mon ingénieur, pas qu'à marcher en boîte d'outils. Quel complexe, frère Maxime, yo kap gade nou. Non, je parle au son petit boss. Kap tande nou. Ivan te konn parle avec moi normalement, mais boîte d'outils en a même Ivan pare lem. Mrele Ivan. Li gade m li troisième. Nous trois complexés jeunes gens, jeunes filles dans pays mio. Frère Maxime, qui te complexe pour nous capable. Si vous permettez. Oui. Et m'a pay profiter dire que Gomba aussi dit la très important de haïtien, go bon haïtien qui capable de produire. Et me passe un bon côté surtout dans corridor. M'a regardé une série de ateliers de bédisterie, de belles cabanes, de salle à manger, de salon, etc. Peut-être pour ne pas gagner moyen et pour yo l'on caille qui sous la rue. Et dans en pile l'autre domaine tout ferronnerie, etc. Bon, m'a dit mon ça pas découragé parce que moi m'a font appel à toute décideur à tout le monde qui gagne des influences, c'est-à-dire que les industriels, les grands commerçants, les politiciens, commencer sous chef d'État jusqu'à petit Azek là, parce que j'étais candidat, mais malheureusement pas de bon, j'étais dans l'élection et m'a continué à aller. Et pour que yo capable valoriser tout le monde capte de là qui c'est des producteurs, qui c'est des techniciens qui vivent de artisanat, de produits, de pensée, de l'esprit. C'est simple.
c'est des barrières tarifaires et non tarifaires pour mettre sur tout produit que Haïti a fait et que d'a commandé l'autre bord. Ça capable faire pas faire ensemble de monde plaisir. Mais monde qui connaît que y a bien intérêt là-dedans, c'est pour grouper en association. N'a joindre des monde qui ca aider nous avancer. Si ça n'a produit un prend produit en quantité et que n'a gain un monde qui capable de représenter nous. Qui ça barrière tarifaire et non tarifaire là? On ka fait petit table ça. Et le plus belle parce que table y a voyé commander l'autre bon. On cherche un groupe monde qui connait fait table tout. Un groupe moins organisé en association en coopérative. Et puis qu'on y a là d'après dans l'état pour elle dit que barrière tarifaire là c'est depuis table pour là c'est même j'ai avec parlant lié ou pas acheter l'autre bois MB ou payer le double pour dédouaner. Parce que là barrière non tarifaire là qu'on y a pas chercher en Haïti nous passer avec bambou parce que bambou ba telle maladie donc si et puis tout pas quitter ça rentre c'est pas c'est son exemple moi donc on dit comme ça que donc moi produit et bah on est en bas et ben on va importer en bas vient dans pays et puis me dit que bon là depuis en bas gain 10% de sel là dedans il pas rentrer en Haïti mais 10% de sucre etc. Moi cherche une façon pour nuit moun ça cap commander et puis qu'on est là nous a commandé en quantité pour bocalement ba nous 22 fois moins ou 3 fois moins m'a profiter dire un bagage et à l'attention de moi vous saluer tous les professeurs qui étaient formés depuis primaire jusqu'à l'université, y compris et pour ne pas faire jalousie pour Serge Kouchal, pour servir la Lumac, etc. Mais qui salte l'homme était dans UDH qui fait que nous avons réussi en série de missions ou bien tâches qui étaient assignées à moi-même. Premièrement, moi connais que Haïti pas fait machine, c'est réparer nous pour réparer machine, même dit machine, ça veut dire que tout bah qui motorisé que qui aider l'homme et fait accomplir un travail plus facile donc on font j'aime toujours gain livre même si m'pa venir avec le travail là mais depuis là quand même connait pour réparer une machine donc par exemple un Toyota ou bien un BMW moi bat parti ça par cœur procédure en tout dans tête et puis m'bat chez Marie électrique là c'est ça qui fait que l'homme te qu'on a travaillé en dedans compagnie électrique m'était dans garage et ben pas de besoin électricien vinn faire moi à tel point que yo vinn non même chef électricien le vinn traverser dans production pour moun qui ta gonti problème contre moi même m'était dans EDH mais qui ça me fait le mal en province mécanicien là déjà pas fin trop aimer un groupe nèg Port-au-Prince venu manou militaire puis déposer comme si n'ta de gain la science fusion vinn réparer ou capable pour intervention là et tout synergie qu'on déploie hier li pa résout rien té gon fois yo té voyé 11 mécaniciens passé 21 jours à réparer un groupe électrogène qui té li pi grand passo et puis nèg fait 21 jours après ça que génératrice pas marché moun gon naïf prend lambi cocktail monotov pour assassiner monsieur. Oui, parce que fait 21 jours. Mais l'on est fin de travail les après-midi. Il faut que je côté pour aller bon bagaille, pour détendre nous dans fin de ou pas uniquement en technicien mécanicien. Eh bien, il déclare que next ça, c'est plaisir, il vient prendre parce que qu'on est tel côté, tel côté, tel côté. Eh bien, direction Port-au-Prince vient décider pour le voyer moi-même avec un autre ami moi qui était formé Canada lui-même. Le nouveau rivé Gonaïv, il a essayé nous deux vini. Yo dit si on s'est venu deviner à la forme de mais ça fait nous terrain mes travail seul moi même travail pour compte mais comme l'autre zami m'a t'ai besoin expérience li parce que il t'ai plus temps en de compagnie à passer donc m'étais obligé faire chemin ensemble avec lui et bien qui ça fait moi dit nèg comme ça que c'est nous même qui pour le travail là si travail là après il pas marché moun gonaïve pas d'accord pour y appeler des pays nous même technicien de gonaïve et puis après ça pour yo et puis ouais c'est blackout. Alors que si après travail là, nous avons travail là duré, m'a fait des rapports et que m'a voyé par direction et puis direction après que c'est ton problème qui pas et qui salté, c'est des poches qui étaient cachées en dans moteur que moun yo pas jamais déconné qui étaient les préfites. Alors go différence entre Caterpillar et Electromotive Division. Caterpillar lui-même il fait des moteurs moulés, ça veut dire que on prend
morti à la gueule non moule et puis qu'on y a eu une bloc claustra etc. Alors que GM lui-même il fait électromotive division, il fait deux moteurs en tôle moulée, c'est de gros feuilles tôle qui tellement qui chauffe à haute température et puis gon presque qui vient balle forme. Donc l'on comprend nous pas dévisser des filtres sur la machine et pourtant c'est non et ça me décabre les formes architectural moteur de pièce ça au caché. Donc vous supposez chercher une plaque de visite côté que l'on retire plaque de visite là et puis l'on fin déposer l'on après des pièces qu'on va chercher. Donc moteur font paquet de temps ou naïve et que pas de monde qui te connaît côté pièce ça et puis l'huile qui pour graisser organes mobiliaux et bien vient passer sans filtre parce que gon soupape bypass qui te fait et puis c'est un désordre total. Là nous vinn rive nous même nous gagne livio et puis ça te permet que nous te résoudre problème là. Après ça moi fait obligé faire même bagaille là tout parce que au cap yo t'a pral déchouquer monsieur Telayo à l'époque en 1990 et puis direction fait mal fait en expertise pour central là et puis direction dit et même ça me fait pour Gonaïve mais gros déception me prend c'est que alors on t'a pas posé une question avant d'entrer dans déception on t'est vrai par exemple mon connait a étudié sciences politiques entre un qui fait mécanique et maintenant que vous avez fait sciences politiques, comme vous êtes candidat, par contre, vous êtes toujours candidat, ou comme vous dites candidat. Mais alors, forme de candidat, vous êtes très bien, de OASEC, c'est bien. Mais comment vous êtes, en tant que mécanicien, on est qui fait mécanique générale, comment vous êtes dans la société, hein? Comment vous êtes? Et forme de que ce qui était drôle, c'est que moi, pour être diplômé, l'homme devient professeur. C'est l'homme qui vient en troisième année, bon ami en face à Kaïman, qui est me dit, bon ingénieur civil qui est l'école, il n'y a pas de professeur, il est aimé pour présenter le directeur. Et Zami Salivin, ministre de l'Intérieur actuellement là. Et puis l'homme qui vient mal côté, nous entendons nous. Et puis l'homme qui vient le centre pilote, moi, il a cherché moi, chef de travaux, il a cherché, il dit, bon ancien professeur qui parti, il a besoin pour enseigner dans l'école ça. C'est ainsi que moi vinn enseigner dans l'école ça veut dire et l'école t'a cherché et gon ami t'a cherché et ensuite l'année prochaine et puis gon professeur qui était gon directeur t'a gardé dans vitrine côté m'a fait exposé et puis qu'on est là qui était vinn dit professeur français monsieur Abbé Cassis Albert qui dit que il t'a aimé pour mal remplacer monsieur Calix. Alors moi ça me devait connaître comment société a well en tant que mécanicien. Bon, femme du, j'ai toujours eu les plusieurs fois, parce que femme du que et voilà, bon tout le monde qui connaît Rélé Metchal, pour ça parce que je suis non professeur, parce que beaucoup diplômé, mon l'autre titre qui passe prime. Donc mais quand il y a deux monde qui le m'a parlé qui a demandé est-ce que c'est ingénieur mien, moi me dit c'est dieselis moi et à la fin me dit ça c'est en électromécanicien parce que c'est ma première génératrice. EDH ou travail, il fait chaque monde font partie, moi pas besoin tout le monde ça venir mettre mais à la patte. Elle dit que nous sommes électromécaniciens à part entière, moi j'ai depuis radiateur jusqu'à flasque qui est surge protecteur qu'on y a là bon c'est RS4 juste à jot mobile. Donc moi que me sont bah on c'est un élément non chaîne qui est très longue qui capable permettre que développement en fait parce que où elle le développement d'un pays qui s'allie. C'est tout ça que le pays est capable de gagner en quantité suffisante. Ça veut dire que, du point de vue économique, social, culturel, et qui est accessible à tout le monde qui fait partie de la population. Ça veut dire que, et, du point de vue infrastructure, tout à coup, nous avons un problème de pour garder le pays d'Haïti, après le pays d'Haïti pas développé, parce que nous avons une seule route pour aller à Kafou. Nous avons une seule route pour monter Thomasé. Ou après le pays d'Haïti, pas développé parce que ou gon seul l'hôpital côté que l'orive, c'est la poutre jeune plus gros spécialiste, l'orive ou yon pas recevoir. Donc son crime ni, son crime commun qu'on ensemble de moun mette tête ensemble. Et puis, alors, ma contre, sou bon sam nou la. En tant que technicien, pas vrai, comment ou wè qui sante ka di jeunesse là? Est-ce que ou wè gen yon engouement pour formation professionnelle et technique?
dans jeunesse actuelle là. Oui, mais vous pas gain. Et qui conseille au cabalier en ce sens? Il trop cher. Il trop cher parce que moi l'état qu'on y a là non seulement parce que il faille à mission, c'est pas que jouer bab jouer. Non, le bab jouer. Parce que faut me dire que imaginez y a une grande satisfaction que me gain c'est le fait que monsieur Renault Bonnefil relé on manager qu'il te gagne, il dit fait tout ce que ce monsieur vous dira de faire pour lui. Et puis il me dit comme ça que pendant mon cap, mais ça me va le faire. Et puis il me trace, il me fait plan soupape, plan ceci, plan cela, etc. Et puis il me dit changer siège pour moi, etc. Et puis il dit debout capable de faire des séos. Et puis il y a Bridivo. Grande satisfaction que je me dis, c'est que le vous et message là, Barbara Fetcher, je ne sais pas s'il y a tant de bruit comme il y a. Barbara Fetcher, c'est lui-même qui est vice-président, un gros film, le Caterpillar. Eh bien, Caterpillar a accepté de faire tout changement pour nous. N'était-ce pas de sabotage en Soudine, eh bien, au cap, tu as besoin pour. Du point de vue énergétique. Selon vous-même, il y a un goût pour que je ne sache pas apprendre le métier, mais il n'y a pas de quoi. Mais l'État, même s'il t'a voulu ouvrir, l'État n'a pas eu pour ouvrir notre pilote de golf. Et malheureusement, il n'y a pas de filmé. Seul 7 mois qui était capable, plus ou moins, là, capable de faire pour cette pilote, c'est l'école Carrefour. Cette polyvalente. Même par contre, si c'est même niveau professeur. On te parle de satisfaction. Maintenant, bam, qui déception gagne dans la métier? Qui sont orchestrés comme déception? Parce que l'émission a couru vers la fin. Déception, manque de probité intellectuelle. Et vous pouvez le saisir. Tellement pas de courant au cap. Nègre fait beaucoup. Il y en a cherché qu'on qui laisse quitter là au cap à l'époque. Vini jeter clairin avec 7 gouttes de bille, vous payez beaucoup. On comme qui était assez faramineux. Parce que vous avez dit pour tout prince que vous n'êtes pas capable. Tout ça vous fait. Bye-bye. Comme si on panne technique, arrivé, vous les beaucoup. Voilà. Et je jure. On ne va pas n'a pas les pays. Oui, n'a pas les pays. Faut bien faire un vrai métier aspect ça qui est rentré dans bagage ça. Parce que c'est un ingénieur élu, Carl Préval, qui dit mais mes amis, tu nommes là, il était lauréat, il fait bac plus 4, mais il était un pouvoir parce que même si c'était chef de département, mais toute promotion, il est arrivé directeur. On prend monsieur dans le garage, là, nouveau et monsieur à regarder. C'est ça que tu viens de faire que monsieur était. Il était compris que c'était un petit boss dans le garage. Malheureusement. Le a écoulé et bien, monsieur Charles. Ou pas, tu as reconnu qui version que Boko a dit. Il dit comme ça que. Si vous bâtissez Gaja et centrale à son cimetière ancestral, et pourtant c'était en question de procédure. Et centrale est bâtie dans le milieu, chargé poussière, il n'y a pas de respecter le nom diesel, environnement, etc. Merci, professeur Charles-Antonis Michel. Voilà, c'est là encore. Non seulement Charles-Antonis Michel. On n'a pas obligé de fermer parce que c'est arrivé. Charles-Michel-Antonis. Nous voulons toutes salutations à tout le monde qui t'a suivi nous là sur Radio Télé Guinée. 92.9 FM, on est chaîne 18 là. Et le dernier mot. Le dernier mot, c'est que. 30 secondes. Ma maison a été pillée. Ah bon? De acte de naissance jusqu'à passeport qui a un visa américain, et m'a demandé pour monsieur et pour ambassade américaine bon mon petit coup de main, dans ça pour me capable pour visa moi. Tout papier ça yo net yo nan men on individu. Mais gain là-dedans yo, c'est pas moi qui t'ai écrit, c'est des autorités qui t'ai fait erreur en écriture publique, soit yo pas mettez Antonus là, soit yo mettez à point, soit yo mettez nom yo informel. Time is up. Tout le monde qui commence à gonfler, nous présenter encore une fois salutations à tout le monde qui t'a suivi nous sur chaîne 18, la, chaîne mondiale, la, avec Radio Mbemba 92.9 FM. Nous prenons rendez-vous prochainement avec vous, toujours sur plateau ça, Radio Mbemba. Pas de mentir la donne. À bientôt. Quand même, on ne parle pas. N'attends longtemps, Haïti te perle des Antilles. N'attends longtemps, le monde te respecte Haïti. N'attends longtemps, nous te convoyé soldats algoumen pour aider et libérer l'autre pays qui était dans l'esclavage. Jodia, nous c'est la peur des Antilles, la poubelle des Antilles. Toute l'autre nation a brûlé nous, y a passé dans la bêtise. Parce que nous blasé tête nous tombons dans tout ça qui mal. Nous sales, mémoires en cette nous. En pas les pays, pour nous être citoyens et citoyennes, voy ici, dans la diaspora, va prendre conscience dans notre tête ensemble pour nous sauver Haïti. En parler pays, il y a une émission qui a passé sur Radio Télé Guinée, chaîne 18,
Radio Mama Pemba 92.9 FM tous les dimanches de 7h à 8h, reprise le lundi 1h-2h PM.